toujours au Mobile World Congress et toujours sur le stand de Lenovo. Je vais vous présenter le Vibe X2 Pro. Donc tout à l'heure vous avez la version Vibe X2 classique et là on passe sur la version Pro. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Eh bien on va avoir des fonctionnalités supplémentaires et surtout on va avoir des caractéristiques évidemment beaucoup plus puissantes et un écran légèrement plus grand puisque vous voyez ici le Vibe X2 à ses côtés, il a un écran beaucoup plus petit, enfin plus petit en tout cas. Ce Vibe X2 Pro, il a un écran de 5,3 pouces qui offre une résolution de 1920x1080p. On est sur un écran IPS. On va retrouver un processeur Snapdragon 615 cadencé à 1,5 GHz. C'est une puce octa-core, une puce 64 bits. Vous allez également avoir 2 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage interne. On va avoir une batterie de 2410 mAh. Donc on est sur une batterie un peu plus importante que la version X2, c'est normal, l'écran est un peu plus grand. On va avoir surtout une caméra frontale, cette fois-ci de 13 mégapixels. Donc là on est complètement différent du modèle tout à l'heure, parce qu'on était sur un modèle de 5 mégapixels, là on va être sur un modèle de 13 mégapixels. Et on va retrouver également cette caméra à l'arrière de 13 mégapixels. Donc on a le même capteur en fait à l'avant et à l'arrière, ce qui va nous permettre d'avoir des selfies vraiment de très très bonne qualité. Concernant sa conception, eh bien, on va retrouver cette conception en couches. Donc vous voyez ici on a différentes couches de matériaux et différents surtout coloris. Qui va nous permettre d'avoir un smartphone avec un joli effet. Je vous rappelle ici le Vibe X2, vous voyez, on avait différentes couches colorées. Là, on est sur des couches un peu plus claires, un peu plus sobres sur ce X2 Pro. On va retrouver donc à l'arrière notre caméra de 13 mégapixels, notre flash LED, la marque Lenovo. En bas du smartphone, on va retrouver la grille pour le haut-parleur. Sur la tranche supérieure, ici, on va retrouver donc, la prise de jack 3.5. Ici, on va retrouver le port pour le micro. Sur le côté droit, on va retrouver deux boutons, le bouton de volume et le bouton power. Sur le côté gauche, on va retrouver la fente pour la carte micro SD. Sur le dessous, on va retrouver la porte micro USB. Concernant la partie logicielle, on est toujours sur du Android 5.0 Lollipop. On a la surcouche Vibe UI qui apporte quelques fonctionnalités supplémentaires et également qui apporte cette gestion des thèmes. C'est une gestion complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur du Android standard pur. Voilà un peu pour la découverte donc, de ce Vibe X2 Pro. Maintenant, je vais vous passer à la version Shot, donc, qui est le photophone en fait, de chez Lenovo. Okay.